Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur le numérique responsable. Donc je suis Claire Dorville, je suis chargée de mission numérique responsable au sein du Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Et principalement, je travaille donc au pilotage de la politique publique sur le numérique responsable. Et je vais vous présenter aujourd'hui les différents dispositifs existants à l'échelle gouvernementale à ce sujet. Donc, pour introduire cette présentation, je vais vous parler des éléments déclencheurs qui ont fait que le gouvernement français s'est saisi de cette thématique. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur les impacts environnementaux du numérique. Je peux peut-être juste vous dire qu'à l'échelle française, le numérique représente environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre et que si rien n'est fait pour réduire son empreinte carbone, les émissions augmenteront de 60% d'ici à 2040. Et bien sûr, il y a d'autres éléments à prendre en compte, tels que la consommation de ressources en eau, en électricité, en terres rares, en métaux rares, voilà, dans le calcul de cette empreinte environnementale du numérique. Donc, concernant les éléments déclencheurs liés à la création d'une politique publique sur le numérique responsable, il y en a plusieurs. Donc, je vous ai mis une frise chronologique de ces événements. Donc, le premier événement, c'est en 2019, la création de la Convention citoyenne pour le climat, qui en fait a défini des mesures assez structurantes de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc le thème du numérique responsable s'impose vraiment comme un sujet à part, ce qui traduit une attention particulière des Français pour cet enjeu, à la fois tant sur le facteur d'empreinte environnementale que sur les leviers d'accélération de la transition écologique. Donc en parallèle, on a un rapport du Sénat sur l'empreinte environnementale du numérique qui est publié en juin 2019. Puis en 2020, le Conseil national du numérique, qui est une instance consultative interdisciplinaire qui est chargée en fait de mener des réflexions sur le numérique, publie une feuille de route qui a été publique sur ce thème. Et il y a eu plusieurs mois de concertation avec les acteurs d'horizons assez variés, des pouvoirs publics, des chercheurs, des experts, des associations, des entreprises, des fédérations professionnelles. Donc voilà, ces premiers rapports et documents seront en fait finalement suivis de plusieurs études qui confirment l'importance de faire du numérique responsable un enjeu de poids dans la stratégie nationale. Donc, c'est notamment le cas du rapport de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution et de la presse, donc l'ARCEP, qui a publié son rapport pour un numérique soutenable, qui est paru en décembre 2020. Donc voilà, les points soulevés par ces travaux et les propositions formulées vont être finalement reprises dans une proposition de loi qui est portée par un sénateur sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et le texte est donc déposé en octobre 2020, puis promulgué en novembre 2021. Donc ces travaux viennent aussi alimenter, et j'en parlerai tout à l'heure, la feuille de route gouvernementale numérique et environnement, dont les travaux ont été pilotés par le ministère de la Transition écologique. Donc, dans le cadre de la rédaction de cette feuille de route, on a 26 acteurs qui en fait ont été concertés. Donc, on peut citer les organismes de recherche tels que l'INRIA ou le CNRS, des fédérations comme l'Alliance française des industries du numérique ou encore France Data Center. Et d'autres associations comme Halte à l'obsolescence programmée ou encore l'Institut du numérique responsable et les agences publiques telles que l'ADEME et l'ARCEP. Donc, ces différents éléments ont conduit le gouvernement à adopter des textes législatifs et des orientations stratégiques publiées dès 2020 en soutien au numérique responsable.
Donc, chronologiquement, on a donc la loi du 10 février 2020, dite AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui est donc le premier texte à fixer les dispositions en ce sens, puisque la loi vise à premièrement mieux informer le consommateur. Donc, à ce titre, on a à compter du 1er janvier 2022, les opérateurs doivent informer leurs abonnés sur l'impact carbone de leur navigation Internet. Et depuis le 1er janvier 2021, il y a un indice de réparabilité qui doit être affiché sur certains produits numériques. Voilà. Et donc, enfin, les fabricants et vendeurs ont aussi l'obligation de communiquer la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles seront fournies pour assurer un usage normal d'un bien numérique. Donc, cette loi, elle vise aussi à prolonger la durée de vie des produits numériques en obligeant les fabricants à fournir des pièces détachées pendant 5 ans minimum et en rallongeant la garantie légale de conformité de 6 mois pour les biens qui ont été réparés. Et enfin, elle encourage l'État, les collectivités et leurs groupements à acheter des biens numériques issus du réemploi ou de la réutilisation et contenant des matières recyclées. Donc ça, c'est le premier dispositif réglementaire en la matière. Ensuite, dans cette direction, le gouvernement publie un an après la loi AGEC en février 2021 une feuille de route numérique et environnement. Donc la feuille de route, c'est un outil vraiment stratégique qui vise à orienter les actions pour faire converger transition numérique et écologique. Donc elle va s'articuler autour de 3 axes. Donc le premier qui est connaître pour agir. Donc il s'agit de vraiment développer la connaissance de l'empreinte environnementale du numérique. Donc l'objectif, c'est de trouver des méthodes harmonisées pour quantifier cet impact. Et soutenir un numérique plus sobre, c'est-à-dire réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et enfin, le troisième axe qui consiste à faire du numérique un levier pour la transition écologique. Donc, pour aller un peu plus en profondeur sur ces axes, on a le premier axe où il y a en fait 2 mesures phares de cet axe. Donc, premièrement, évaluer l'impact environnemental du numérique en France. Donc là, on a une mission qui a été lancée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, et l'ARCEP pour créer des outils de mesure et d'évaluation d'impact environnemental du numérique en France, et la création d'un baromètre des acteurs du numérique afin de comparer les impacts environnementaux du numérique à différents niveaux de la chaîne de valeur. Donc, en axe 2, donc cet axe va rassembler en fait une majorité des actions proposées dans la feuille de route. On peut citer quelques mesures prioritaires comme soutenir le développement de la filière du reconditionnement et du réemploi en assurant justement la montée en qualité des équipements reconditionnés pour qu'il y ait une meilleure confiance des acheteurs et donner aussi un avantage compétitif aux entreprises françaises. On aura aussi comme mesure le soutien financier à l'innovation de biens et services numériques sobres, donc à travers notamment la publication d'un appel à manifestation d'intérêt sur le verdissement du numérique dans le cadre du plan d'investissement de France 2030, et le soutien au centre de données écologiquement vertueux. Donc là, l'idée, c'était de proposer une réduction tarifaire à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc, réduction qui est applicable en fait aux data centers qui vont adopter des principes d'éco-conception et d'efficacité énergétique. Donc, la deuxième partie de cet axe 2, on a plusieurs fiches actions. Donc, la numéro 8 qui va prévoir la création d'engagements en matière de numérique éco-responsable par les entreprises. Donc, on a une réflexion en cours aujourd'hui sur quelle forme pourraient prendre ces engagements. Ensuite, la fiche action 2 et 11 qui vise à faire de l'État un exemple en matière de numérique. Donc là, on a notamment la direction interministérielle du numérique qui accompagne chaque ministère dans l'adoption de pratiques numériques responsables.
Et enfin, une campagne nationale de sensibilisation qui est pilotée donc par l'ADEME à destination du grand public, que ce soit les particuliers ou les salariés. Donc, je vous ai mis un exemple de communication, de campagne de sensibilisation pour vous donner voilà, une idée concrète de ce que ça peut donner. Donc voilà, ça concerne plus les éco-gestes, mais il y a d'autres documents qui vont aussi dans le sens de mesures plus structurelles. Et donc enfin, l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale numérique et environnement. Donc là, il s'agit vraiment en fait de s'inscrire dans une logique où le numérique va être un outil pour favoriser la transition écologique. Donc en ce sens, il y a plusieurs mesures qui sont déployées pour, premièrement, faire en sorte qu'on ait des données pour permettre l'innovation. Donc là, il s'agit de créer des espaces communs de données où les données sur les impacts environnementaux sont ouvertes et où on peut aussi ouvrir des données privées sur ces données d'impact environnemental. Et dans un deuxième temps, le soutien des porteurs de projets de solutions innovantes au service de la transition écologique, notamment en matière de cloud et des projets qui mobilisent la 5G au service de l'environnement dans divers secteurs d'activité. Et donc passer au dispositif législatif donc de la loi REN qui en fait à la suite de la feuille de route ce texte a été adopté le 15 novembre 2021. Donc elle s'adresse vraiment à tous les acteurs de la chaîne de valeur du numérique, que ce soit les professionnels, les acteurs publics et les consommateurs. Donc, premièrement, elle vise à faire prendre conscience de l'impact environnemental du numérique encore peu connu à ce jour, notamment au travers de l'article 4 qui prévoit un observatoire des impacts environnementaux du numérique et l'article 3 qui prévoit d'intégrer des modules d'éco-conception dans les formations d'ingénieurs. Et deuxièmement, donc elle vise à limiter le renouvellement des appareils numériques au travers de trois éléments. Donc premièrement, cette loi vient renforcer les dispositions de la loi AGEC, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour notamment lutter contre l'obsolescence logicielle. De plus, elle va obliger les distributeurs à communiquer sur l'existence d'offres de produits reconditionnés et sur des conseils d'usage, d'entretien pour rallonger la durée de vie des produits. Et elle incite aussi les acheteurs publics à considérer l'indice de réparabilité dans la passation des marchés. Ensuite, elle va favoriser le soutien au réemploi et à la réutilisation. Donc, on a l'article 16 qui prévoit que les anciens équipements informatiques des services de l'État ou des collectivités soient orientés vers le réemploi ou la réutilisation. Et on a aussi l'article 18 qui ajoute les reconditionneurs en plus des vendeurs professionnels et les réparateurs comme des destinataires des pièces détachées. Et donc enfin, elle prévoit des objectifs d'économie circulaire et de collecte pour améliorer le recyclage, le réemploi, la réutilisation des biens numériques. Donc par exemple, on a l'article 13 qui prévoit des opérations de récupération des stocks dormants de téléphones, d'ordinateurs et de tablettes. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a entre 54 et 113 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français. Donc voilà, ces opérations de collecte ont vraiment un sens à ce niveau-là. Ensuite, la loi vise aussi à agir en faveur d'usages numériques éco-responsables avec la création d'un référentiel général d'éco-conception des services numériques. Donc aujourd'hui, ce référentiel est en cours d'élaboration. Mais il y a un référentiel qui a été publié au sein de l'État sur le site de la Direction interministérielle du numérique qui permet déjà d'avoir des clés. Et enfin,
On a aussi l'article 35 donc, qui oblige les communes de plus de 50 000 habitants à définir d'ici janvier 2025 une stratégie numérique responsable. Donc là, on travaille au CGDD au suivi de la mise en œuvre de cet article de loi. Et enfin, l'article 28 qui va inciter les data centers à valoriser la chaleur fatale ou à atteindre des objectifs qui seront fixés par décret en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance. Donc voilà, c'était en fait, on a vraiment ces trois dispositifs, donc deux dispositifs législatifs, donc la loi REN et la loi AGEC, qui sont donc la loi AGEC, qui est quand même un dispositif assez englobant qui va porter sur des objets divers comme le textile, l'alimentaire et aussi le numérique. Et donc, on a la loi REN qui suit et qui est vraiment spécifique au numérique et qui vient à la fois renforcer certaines dispositions de la loi AGEC, mais qui aussi apporte de nouvelles exigences. Et donc, on a ce dispositif de type feuille de route avec différentes mesures qui servent à piloter et porter la politique publique numérique responsable. Donc, on a plusieurs dispositifs qui sont où en fait, on essaie vraiment d'apporter une cohérence en termes de gouvernance dans ces trois dispositifs. Et donc, on vise une coordination qui nous permettra d'avoir un appui fort pour porter la voix de la France sur le numérique responsable, notamment à l'échelle européenne, puisque en fait, le numérique responsable, c'est aussi un sujet montant, notamment dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. Et on a des plans d'action, en fait, les nouveaux plans d'action pour une économie circulaire qui ont été adoptés en février 2021 et qui incluent notamment une initiative sur l'électronique circulaire. Et donc, cette initiative aussi propose des mesures réglementaires sur l'électronique, y compris sur les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, en vertu de la directive éco-conception. Et on peut citer aussi d'autres projets, notamment un texte sur le droit à la réparation et y compris sur un droit de mise à jour des logiciels obsolètes. Donc voilà, on a tous ces travaux à la fois à l'échelle française et européenne. Et on souhaite vraiment porter nos travaux à l'échelle européenne et porter nos positions pour qu'elles soient prises en compte dans tous ces projets de texte européens qui vont être négociés dans les mois et les années à venir. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis je serai ravie de prendre des questions si jamais il y en a. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu bien m'entendre et voir les diapos.